Bonjour et bienvenue sur la Gata TV, c'est le Droid Tech. Comment vous allez les potos? Aujourd'hui on se retrouve, et ouais, on est le 10-6. Y'a quoi le 10-6 à ton avis au mois de juin? Y'a Mario Striker Battle League Football sur Nintendo Switch. Mais quel intro punchy de ce Mario Striker Battle League Football. Donc le jeu fait environ 2 Go installé sur un micro SD. Au niveau des langues, tant qu'il y a le français, le reste on s'en bat les steaks. Et puis voilà, le jeu tu vas le trouver sur Amazon au prix de 49,99€. Et sur l'eShop évidemment, si tu veux payer plein taux, pour c'est 60 balles, voilà. Donc le jeu, il y avait déjà le grand frère qui est déjà dispo sur le GameCube. Et du coup ils ont refait une version Switch. J'espère qu'elle est super bien, comme sur la version GameCube. Ouais, nuit, jour, on s'en fout en fait, hein. Donc déjà c'est un jeu multi, ça c'est pas mal. J'aime bien, en auto, et du coup il nous propose quoi? Ouais, Mario c'est pas mal. Et après on peut mettre en aléatoire en bas. Voilà, et en aléatoire de l'autre côté. Oh c'est con, j'ai 2 fois Yoshi. Bon c'est pas grave. Au niveau des Mario, voilà, oh ça pique les yeux, hein. Oh là là, oh là là. Ouais, vas-y, regardez celui-là. Hop, de toute façon, on va tous les faire. Allez, vas-y, on va faire le Mont Champignon. Là, c'est juste une vidéo facile, découverte et tout. Ah ouais, bah vas-y. Voilà, Captain décide. Donc, c'est un jeu que j'ai pas mal joué sur GameCube. Du coup, j'espère kiffer au moins celui-là comme les autres. Enfin, comme celui-là sur GameCube. Tous les jeux de foot où tu fais n'importe quoi, c'est super délire à plusieurs. Ça, il faut le savoir. Les premières minutes, c'est la première fois que je lance le jeu. Je viens juste de l'avoir. Donc en jeu de foot délire, t'avais Soccer Slam aussi à l'époque. Qui était même délire. Hop, donc moi je suis bleu, hein. Ok, t'as compris. Et là, le but, on va essayer de marquer. Bon, j'ai mis le truc en mode facile, on verra. Oh merde. Allez, remonte. Il y a personne. On y va. On attaque. Oh, tiens, prends ça dans les dents. Je jure, j'ai cassé la ville. Oui. Donc pourquoi pas faire des matchs ensemble, hein, si ça vous dit, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez qu'on fasse quelques Twitch ensemble, pourquoi pas sur ce jeu-là, il y a moyen. Il y a moyen que je me libère un peu. Bon, quelle rediffusion, mais quel but, elle était magnifique. Bon, elle a l'air d'être pas mal. Après avoir au niveau... Bon là, c'est les premières heures de jeu. Oh, il y a des petits carrés là. Oh merde, j'ai pas vu. Il est arrivé. Hop. Oh, il va mettre un but. Oh là 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 là. Bah, c'était obligé, hein. Les petites animations là qui font plaisir. Bon, au début, c'est sympa. Après, je pense que ça va nous casser les couilles, mais c'est pas grave. Au niveau de la prise en main, pour l'instant, ça le fait. Ça reste un jeu de foot. Par contre, après, il y a pas mal de tactiques à prendre et tout ça. Et à voir sur la maniabilité comment étaient mappés les boutons. Donc, ce qu'on peut regarder déjà. Je voulais faire une petite pause au niveau des commandes, parce qu'on n'a pas vu. Faire une petite pause vite fait, là. Les objets, on s'en fout. Nous, ce qu'il nous faut, c'est le guide de jeu. Voilà. Donc, t'as passe libre, se déplacer, dribbler avec R.
Ok. Dribble esquive, accéléré, donc avec ZR, ça on l'a pas encore fait. Dribble, R, toujours. R, ZR, hein, voilà, t'as compris le délire. Utiliser un objet, passe lobé, tire et passe. Ok, t'as compris? Voilà. Si t'as pas compris, on reviendra sur les bases plus tard. Essayer de faire une petite percée là. Oh putain. Oh j'ai failli. Donc là. Ouf. Merde. Alors là, hop. Tu reviens par là. Ah merde. Ouh, il est bon. Il est bon, il est bon. Ah oh, bah à chaque fois je me fais... Putain, il est bon mon gardien. Ouais, c'est moi qui suis mauvais, mais... Hop, on a perdu le pouvoir, c'est pas grave. Mais non. Mais comment on fait pour la dribbler, elle? Excellent. Allez, vas-y, on y va. Bah, peut-être falloir qu'on marque un petit but, quand même. Ouf. Tant pis. Allez, vas-y. Prends-la. Oh non. Ah, c'est abusé. Donc, pour sélectionner, c'est elle. Hein. Ok. Quand tu veux sélectionner un personnage, tu prends elle. Quand t'appuies sur elle. Bon, vas-y, j'étais proche, là. Ouf. Oh, j'ai failli, je voulais faire un petit lobby puis une retournée acrobatique, mais j'ai pas réussi. Ce qui est bien dans le jeu là, c'est que tu peux faire tout ce que tu veux. Tiens, voilà, tu l'envoies, tac. On envoie par là. Petit lobby. Voilà, on reprend. Oh, il est bon le gardien. Ouh, ils vont mettre un but là. Non, je défends. Hop, allez, on monte. Continue. Non, hop. Ouh. Oh, j'ai pris une bourrasque là. Par contre, là, la sélection de personnage, pas facile. Hop, c'est bon. J'ai eu Todd. Ah, oh, mon vrai sévère là. Merde. Je me suis fait avoir. Là j'ai la balle, c'est bon. C'est un peu le foutoir là, mais quand t'as les yeux rivés dessus, c'est bon. Oh, j'aurais pu. Oh oui. Enfin. Ah, c'est pas le plus beau but, mais il est sympa. Allez, on appuie sur moi, on va essayer de jouer quand même un petit peu. Non mais, direct. Tiens, prends ça toi. Vas-y, passe par là. Hop. On envoie Luigi. Oh, 2-1, voilà. Première battle, fini, pas mal. C'est très fluide, la prise en main, ça va pour le moment. Il faut se mettre aux commandes et tout, hein, ça, comme un jeu de foot. Ouais, t'as pas de mal. Il faut les meilleurs moments, on est là pour jouer. Du coup, on va se relancer un petit match et on va prendre un autre personnage. Histoire de voir. Bah, tiens, je vais tester lui. Après, on fait en aléatoire. Et j'aimerais bien jouer contre lui, par exemple. Et après, en aléatoire. Du coup, on affronte Mario et Tralala. Ok. Oh, le gros sac. Wallala. Oh, bah, il va être badass comme ça. Hein. Vous préférez quoi, vous? Hop. Dites-moi dans les commentaires. Allez, nous, on va prendre celui-là. Candle Legend. Donc, en fonction de ce que tu prends, il y a des éléments et tout. Ça, c'est à lire dans le jeu. Ah, on va les prendre en vert. Saint-Étienne. Forteresse de l'œuf, ça lui va bien. Et voilà, c'est bon. Je vais faire différentes petites vidéos. Je vais m'entraîner pour éviter de faire toujours des vidéos basiques sur Mario Charge. Mario Striker.
Et puis je vous mettrai ça sur Agatha Team. Donc des petits matchs comme ça de 4, 5, 6 minutes. Pour l'instant je m'éclate bien. Mais bon, j'apprends le jeu. Donc après à voir sur la longévité et la durée du jeu, si je me fais pas chier quoi. Par contre, avec des poteaux, ça doit être d'enfer. C'est vraiment un jeu multi. Les personnages sont super bien modélisés, hein. Franchement, il n'y a rien à dire. C'est fluide et tout. Warrior. Oh, la team d'enfer. Hop, allez, on y va. Allez, c'est fait, pop, pop, pop. Direct, il a rien vu. Oh, baby. Donc là, pour l'instant, je ne fais que jouer pour apprendre les commandes. Après, évidemment, il faut se servir des objets et tout ça. Là, pour l'instant, on s'en sert pas. Donc, en haut, t'as les... Merde. Oh bah non, direct, il attaque. Vas-y, oh, il est beau, le gardien. Hop, c'est parti. Donc, donkey, voilà. Merde. Faut vraiment sélectionner le personnage au bon moment, sinon tu l'as dans le fion. Ouh, oh, là, il envoie du lourd, là. Ah, les méchants sont bien vénères. Hein. Ça fait plaisir. Et là, j'ai mis en mode facile, hein. Ouf. Allez hop, oh, t'as rien vu venir. Petit but de Luigi là, ça fait plaisir. On a eu un but de Mario, un but de Wario et un but de Luigi. Ah, le petit ralenti qui fait plaisir là. Bon, faut que j'arrive à récupérer les objets puis essayer de les utiliser à bon escient. Donc là j'ai une... Non, eux ils ont une carapace et moi j'ai une banane. Oh putain. Ah d'accord, je mets une banane, c'est moi qui la prends. Hop. Là, on va prendre ça. Oh merde. Voilà. Non. Non. Ouais, d'accord, j'ai servi de punchy. Oh, 2-2, oh là 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 là. Servi de punchy là. Oh, diffusion d'action. Ouais, j'ai joué un peu comme une merde là. J'avais Wario qui était à l'étal. Un petit peu dommage. Mais tu joues avec la main là, tricheur. Mais non, j'ai même pas le temps de terminer mon action. Ah, t'es mauvais, t'es mauvais. Hein. L'autre, je l'ai collé, il arrive à en mettre une. Je suis deg. Bon, allez, on va jouer correctement. Hop. Oh, elle m'a grillé. Oh, elle m'a grillé. J'ai esquivé là. C'est là. Oh, c'est de la triche. Oh, il triche là. Ah, elle a du mal, elle. Hein. C'est pas la meilleure. Hein. Voilà, tiens. Non.
Bah tiens, prends ça. Hop. Donc avec Y tu peux les tacler. Hein. Là tu fais des lobbies. Passe. Et là j'arrive pas à trouver d'ouverture. Il va me falloir une ouverture, pas le choix. Par contre elle a vraiment vraiment du mal. Hein. Faites là. Hop. Ah. On va y essayer, on va essayer. On utilise un objet. X pour utiliser un objet. Oh, j'y arrive pas là. Oh oui. Oh, il est beau celui-là. Donc j'essaye de dire les commandes au fur et à mesure. Ah, franchement, les premières minutes sont fun, hein. Y a pas à dire. Tiens, prends ça, toi. Hop, maintenant tu m'auras pas. Comment je peux faire là? Ah! Tiens, prends ça, toi. Ah merde, ils ont pris l'objet. Ah tiens, prends ça toi. Ah, oh, Donkey versus Donkey. Oh, ça serait trop bien de faire un Donkey que des Donkey. Oh, ça serait trop marrant. Hop. Un petit lobé. But en or, évidemment. Oh, j'ai pris Taro là. Ah, ils vont me le mettre. Allez, on y va. Le but c'est d'y arriver. Bon, casse-toi toi. Oh, oh, oh. Ah, le tout c'est de faire circuler la balle, mais là. Voilà. Allez. Et voilà, c'est fait, on termine bien, on le remporte. Magnifique. On revoit bien toute l'action là. Ah, franchement, les animations sont belles, il n'y a rien à dire. Donc on va se laisser là tout de suite, hein. Donc deux victoires pour le moment en mode facile, je le dis bien. Donc au niveau de la prise en main, il y a une petite adaptation comme tout, même c'est assez facile. Vous avez vu, j'ai commencé à faire quelques lobés, quelques dribbles, à commencer à arracher tout le monde et tout, quelques sprints et tout. J'ai utilisé les actions et tout, les animations sont super belles, l'animation est fluide, la caméra suit bien et tout ça. Le fait de ne pas avoir un sport strict, donc on puisse faire n'importe quoi dans Mario Striker Battle League of Football, c'est super bien. Donc à voir dans la durée si on se fait chier ou pas, et ce que je vais essayer surtout c'est d'inviter quelques potes pour faire quelques parties en multi, et pourquoi pas dans le time faire quelques parties avec vous quand j'aurai un meilleur niveau, parce que sinon là je sais strictement que je vais me faire ratamer vu mon niveau de noob, mais c'est pas grave. Donc personnellement pour le moment 60 balles, bon ça fait un peu cher pour un jeu, mais why not si vous le trouvez d'occasion, parce que je sais qu'il y a certaines personnes au bout de 15 jours qui revendent le jeu. Pourquoi pas le prendre d'occasion à 40-45 balles, voilà, c'est un bon investissement pour l'été par exemple, il n'y a pas de problème. Enfin, moi personnellement j'aime bien, très dynamique, très fun, les musiques sont bonnes, les graphismes sont bons, j'ai pas grand chose de négatif à dire. Je pense que négatif arrivera quand je commencerai à évoluer dans le jeu ou commencer à me faire tout simplement chier dans le jeu, parce que il y aura très peu de contenu par rapport à ça. Mais là dès le début, parce que du coup on n'est même pas en mode... on n'est pas dans le jeu, quoi, on est en mode découverte, bah c'est vraiment fun. Voilà, je vous dis à la prochaine sur Gatatmi. Salut! Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un pouce bleu ou un pouce rouge avec la raison dans les commentaires. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer toutes les notifications pour recevoir le point sur nos sorties vidéo.
N'hésite pas à aller voir dans la description nos liens vers nos différents réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter et Snapchat, ainsi que notre site web. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.